Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans l'économie Commander pour le Commander Club du jeudi soir avec Alfie, Kodiak et Higgs. Bonsoir à vous trois. Est-ce que vous allez bien déjà? Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Comment vous allez? Moi ça va bien. Bah écoute, ça va nickel. Fatigué, mais ça va. Est-ce que les vacances se sont bien passées? Oui. Oui, très Dormez bien. bon. Déjà quelque chose qui se passe bien avant que je vous colle une rouste. Ouh, ça sent bien prétentieux là, déjà le début de saison Ah, là. mais je suis ragaillardi. Tu sais, j'ai vu, j'ai fait. Tu es J'ai pas ragagnardi? Je ragaillardi, exactement. Non, Bien ben joué. là. 10 points pour Gryffondor. Je suis pas aussi assez réveillé pour les blagues comme ça là. Ah bah, du coup, Kodiak qui commence à 42. Voilà. Il a gagné 2 points. Ça. Bah super, bah j'espère qu'en tout cas on va passer une belle soirée. On va commencer la présentation des généraux si vous le voulez bien. Alfie, commençons par toi. Avec quoi es-tu venu aujourd'hui? Ben, je suis venu avec Hinata, Souverain de l'Aube, et non, ce n'est pas Hinata du manga Naruto. On n'a pas les droits. Ouais, voilà. Et donc, qui est pour un bleu, un rouge, un blanc, une 4-4 vol piétinement, qui fait que tous mes sorts vont coûter un de moins à lancer pour chaque cible, et les sorts que mes adversaires ont lancés vont coûter un de plus à lancer pour chaque cible. Et bah, du coup, en gros, le but, c'est de faire des bêtises avec des sorts qui coûtent X et qui ont plusieurs cibles. Voilà. Ok, bon, le plan de Quoi? jeu est C'est une à peu près saloperie! simple. Je m'en souviens, moi. Je m'en souviens. Ouais. Je crois que Je vous avez dit ce moment. Moi, j'étais pas là ce jour-là. m'en souviens. Je me souviens, moi je faisais des trucs débiles, sans broncher, tout allait bien. Ça, c'est bien, ouais. Bah, du coup, Kodiak. Eh ben, moi, je suis venu avec un de mes decks de cœur que j'ai depuis très longtemps, que j'avais déconstruit et que j'ai reconstruit parce qu'il me manquait trop. Kalia de l'immensité. Donc bah un petit multi-tribal ange, dragon et démon. Avec un petit humain éclair de deux vols qui fait rien de bien méchant quand il attaque. Hein. Non, c'est faux. En gros, quand il attaque, je peux jouer un dragon, un démon. Enfin, je peux mettre en jeu un dragon, un démon ou un ange de ma main attaquant sans payer leur coût. Voilà, Tu joues voilà. sur la surprise. Oui, non, entre autres. On va voir si tu arrives à aligner la combo sur une seule phase d'attaque. On va voir ça. Ah, on verra. Je crois qu'il a même pas mis. Hein. Et avant-fin, Higgs qui a la tête dans le sable. La tête dans le sable, c'est peu de le dire. La tête dans le sable, du coup. Moi, je suis avec la puce de réalité. Je vais jouer des Xerthos depuis le dessus de mon deck. Et ce Ok. sera bien. Ok. Rien de plus à dire. Non, non, c'est sûr. Voilà. Pas mieux. Ok, très bien. J'ai joué beaucoup d'Arthos depuis le dessus de mon deck et peut-être que ça, on va gagner avec ça. Ok. Eh ben moi, je suis revenu avec Baltor. Ça faisait très longtemps que je l'avais pas joué. Donc du coup, je me suis dit, voilà, pour la rentrée, la rentrée de la chaîne, on va le ressortir un petit peu. Tatsunari a assez fait ses preuves. C'est très agréable de le jouer, mais j'ai envie de revenir aux bases avec le premier gros général level 8 que j'ai monté. Donc voilà. Petit moment de nostalgie avant de repartir sur des nouveaux builds qui je l'espère vont être assez cool prochainement à venir pour la suite. Sur ce, messieurs, je pense qu'on va pouvoir y aller. Avant toute chose, si vous les aimez la chaîne et son contenu, évidemment, n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux Facebook et Twitter. Vous pouvez avoir toutes les actualités de la chaîne si on est sur des déplacements, sur des événements, comme par exemple en juillet, j'étais avec Alfie, on était à Auxerre pour le petit Weekend Commander qui était assez sympa. Également, s'il y a des vidéos ou des lives qui sortent ou qui sont en train de se faire, vous serez prévenu via Twitter. Donc n'hésitez pas à y aller et à nous follow sur ce réseau social. Et également à nous rejoindre sur Discord si jamais vous avez des questions à poser aux membres de la team ou des questions de règles par exemple comme vu qu'on a des juges qui sont là-bas, c'est très courant qu'on a des questions des gens qui posent des questions là-bas. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions autour de Magic
aller faire une tête et à venir là-dessus. Et également venir sur le YouTube si vous ne pouvez pas rester ce soir et que vous avez envie de voir ce qui va se passer. N'hésitez pas à aller sur YouTube, la vidéo sera disponible à partir de lundi en fin de journée. Et tout le replay intégral, et donc vous, du coup vous pourrez voir ce qui s'est passé si vous n'avez pas pu continuer d'être là ce soir. Et bien sûr, n'hésitez pas à nous suivre sur le Twitch où vous vous trouvez actuellement pour ne rien rater des futurs lives. Voilà. Et que vous soyez également prévenus, n'hésitez pas également à activer la cloche sur YouTube pour savoir quand les vidéos arrivent, seront disponibles en tout cas. Sur ce, je propose la bagarre, messieurs. Oui, c'est l'heure du... C'est l'heure du baston. Bien. Du baston. Du bastonnage. Bastonnage avec Alfie qui va ouvrir le bal. Les hostilités. Et je t'en prie, Alfie. Écoutez, c'est parti. Je pioche, je mets un petit Scaldiatan et je vais directement fetcher. Parce qu'on sait jamais maintenant avec les nouvelles cartes qui disent tiens, quand tu fetches, il se passe des trucs. Tiens, je peux aller chercher un machin. Donc voilà. Hop, un trio, mais fin de tour. Ok, à moi. Pioche. Et moi, ça va être une petite crypte de sang engagée, fin de tour. Et ben, pioche. On met une île enneigée, fin de tour. À moi, donc du coup, je pioche et je pose. Bon, en terrain. Petit marais, moi je suis modeste aussi. Bonne tour. Hop. J'ai pas eu le temps de finir de mélanger. Hop. Alors, je dégage. Je draw. Je vais à nouveau fetcher parce que j'aime faire chier tous les gens. Et du coup, pour deux, je vais juste faire un petit cachet de Boros et ça va être une fin de tour. Tu peux chercher un choc ? Non, je vais chercher un trou. Stifle de la part de Higgs. Ça vient. Ça serait beau. C'est bien, faudrait que je récupère celui de mon beau. Il est Freud de l'édition originale. Alors, rouge... Il est très beau, mais il est très cher. Est-ce que c'est une fin de tour, Alfie? Ouais, je mets juste ça. Puis tu peux y aller. Eh ben, allez. Pioche. Eh ben, on dirait qu'on est synchronisé. Je vais mettre un petit gradin de spectacle. Okay. Enfin, de spectateurs, plutôt. Et pour deux, un cachet de Boros. Le fameux. Fin de tour. T'as fin de tour. Je vais jouer scruter. Regarde ma carte dessus de mon deck, je peux la mettre dans mon cimetière, puis je pioche. Ça va être un plateau. Voilà, il va me prendre dans la main. Et puis. Non, j'aurais dû la mettre. Et pour deux, la pupus. Alors, je peux regarder là-dessus, le dessus de mon deck quand je veux. Tant qu'elle est attachée à une créature, je peux jouer des terrains et lancer des sorts depuis le dessus de mon deck. Et reconfiguration 3. Bon, on va regarder le dessus de mon deck. Très bien. Parfait. Et ce sera une fin de tour. Cet homme qui lit son général parce que il sait pas ce qu'il fait. Oui, je dis qu'attends, il y a beaucoup de textes là quand même. Hop, je lance également le petit sondage. 5 minutes pour voter les gens sur à votre avis qui va gagner ce soir. Est-ce que c'est Baltor, Inata, Kalia ou Reality Ship? Vous pouvez y aller maintenant pour voter et profiter de soutenir et évidemment votre joueur favori. Marais, médaillon de jet. Fin de tour. Waouh, très beau médaillon. Merci, merci. Je vais mettre un Vocali Island. Maman. Il y a un smic sur la table. Ça, c'est fort. Ça y est, c'est foutu. Passe à la 2. Merci pour ton 5e mois d'abonnement, Chris. Merci à toi. Pour l'instant, j'ai cru que tu allais dire merci pour cette soirée, au revoir. Oui, c'est merci pour cette soirée. Non, ça va, c'est bon, je vais attendre encore un peu avant de concéder. Alors, on va faire un marais pour 4. Je vais proposer un siphonné. Le joueur se dépose une carte pour chaque carte d'été de cette année. Alors, j'ai nous avons la plus de réalité parmi nous.
Vous inquiétez pas, le chat, on est habitué. Dans 15-20 minutes, le nuage passe et Kodiak aura du réseau. C'est à peu près l'idée, ouais. Ça, c'est ce qu'on espère. Mais c'est ce qui arrive souvent, donc n'hésitez pas. Donc, vous m'entendez, c'est bon ? Oui. Oui. Donc, je disais, chaque joueur dépose une carte. Pour chaque carte, défaussée de cette manière. Ok. Je vais défausser, voir la vérité. Alors, moi, j'ai rien compris. En gros, tu défausses une carte, il va piocher une carte pour chaque carte qu'on aura défaussée. Et moi, j'ai défaussé un orage de comète. C'est aussi un Yarok. C'est pas que Yarok, mais c'est un truc qui défausse des cartes. C'est bien. C'est pas mal. Hop, et à la fin de mon tour, j'ai une carte de trop dans la main, donc je vais me défausser deux. Du démon scarifié de rune. Ok. Et fin de tour. Dégagement, entretien, pioche. Alors pour l'instant, égalité, Alfie Kodiak. Personne ne donne Baltor gagnant, je suis très désappointé. Alors très désappointé. On sait très bien que tu fais le sous-marin jusqu'au moment où... J'ai rien de développer, mais il y a Inata sur la table. Je vais dire fin de tour. Fin de tour. Ok. Pour 3, je vais tenter un maraudeur sac-peau. Tout le monde va sacrifier une créature. Non, mais t'es pénible là. Bah, je sais pas, toi, t'as dit qu'Inata, elle fait chier. Bah, c'est toi qui me fais chier là. Ben écoute, oui, ça arrive. Enfin, pour moi, ça arrive. Ah, pour moi aussi. Pour moi, ça va être force de volonté. Oh Force de volonté, ça marche pour les créatures ? Oui. 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 Ah oui, force de fouille. Non, mais je confonds avec force de négation. Avec... Eh ben écoute, fin de tour, moi j'ai fini. Attends, à ta fin de tour. Ah. On va lui faire counter-check. Bouleversement de réalité en payant un de plus sur Inata. Mais vous faites chier. Bah écoute, t'es capable de me contrer. Hein. Donc du coup, je manifeste, c'est ça ? Ouais, tu manifestes. Ouais, yes. Ouais. Ok. Et donc, je peux payer 2 pour. Non, tu peux la jouer. Si c'est une carte de créature. Bah non, le manifeste, c'est une créature. Oui, mais tu peux la jouer. C'est une créature, mais si. Tu peux oui, mais il faut que je paye son coup, c'est ça ? Oui. C'est ça. Pour son coup, non. Il n'y a pas d'autre truc. Bon. Bah, du coup, pour deux, je vais le retourner. Hein. Hop. Pas mal. Ouais. C'est pas dégueu. Ben, à toi, Kodiak. Ouais, je dis. Pioche. Oh, tant de belles choses. Tant de belles choses. Alors, on va regarder comment on va faire ça. Pour 1, je vais faire un anneau soleil. Ça, c'est une bonne carte. Très bonne carte. C'est mal. C'est dommage qu'on voit pas. 1. On le verra à mon tour. Et un rouge. Mmh. Propose un extorqueur des quais. Oui. Donc ouais, l'extorqueur des quais, je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5. 1, 5 ? C'est que les adversaires. On a 5. C'est que les adversaires. C'est que vos adversaires, donc c'est 3. Donc, ouais, c'est 3. Que les adversaires. Donc 3. Non, ça c'est trop fort. 3, ça me fait déjà bien. 6. Et ben avec ces 3, je vais les sacrifier. Ces 3 mana, enfin ces 3 trésors. Et payer 1 de plus. Et je vais faire une bime étouffante.
Ouais, vas-y. Ouais. Ah, t'aurais pas puté mon truc, t'aurais pu contrer ça. Honnêtement, je m'en fous complètement. Je vais pas piocher de cartes. Je vais pas beaucoup piocher de cartes, tu sais. Avec tous les cantrips qui font piocher. Et c'est trop. Ils sont pas assez les cantrips, tu sais. J'en ai pas tant que ça. Moi, je joue mon deck depuis le dessus. Je n'ai pas besoin de les piocher, mes cartes. Elles sont là. Hop là. Et du coup, fin de tour. C'est une fin de tour, Kodiak ? Oui, c'est une fin de tour. Kodiak ? Vous m'entendez ? Oui, c'est une fin de tour. Ah. Ok. Cette carte que je connaissais. Oh, ben. Ça, c'est bien. On va jouer une île. On va jouer un Dakra Mystique. Je peux payer un bleu engagé. Chaque joueur révèle la carte du dessus de mon deck. Je peux mettre les cartes révélées dans les cimetières de la propriétaire. Si je ne le fais pas, chaque joueur pioche une carte. Je vais tenter de reconfigurer la carte. Dakra. Si ça va à tout alors, le monde. Alors, si tu veux, Kodiak, on va prendre le principe que si les gens payent pas, tu poses. Okay. Bon, je pense que c'était son on est en level 8. Si ça plante, ça plante. Oui, ouais. Si je te dis rien, tu poses. Ça me va très bien, ça. Du coup, je vais jouer un Mox de Chrome depuis le dessus de mon deck. Et trigger de l'imprint, je vais mettre une faille cyclonique en dessous. Oh la vache. Le mec, il en a rien à foutre. Ah. Et je vais payer 1 et jouer une baguette de vertèbres. Je peux l'engager, mettre la carte du dessus de mon deck dans mon cimetière. Je peux me meuler d'une carte. Et je peux payer 2, l'exiler et mélanger 5 cartes depuis mon cimetière dans mon deck. Et puis, il fait un tour. Du coup, à moi. Alors, pro. Aïe. Bon, je vais pas me prendre une vrasse. Je vais tenter un apprenti trop impatient. Petite 1-2 qui va me permettre de faire du mana. Est-ce que c'est là ? Moi, ça me va. Okay. C'est là pour moi. Je vais défausser une 6 d'ici pour ajouter 3 noirs. Mmh. Sacrifié, je vais tenter une muse, née des tombes. Alors, ça fait piocher à mon tour. C'est une, pour l'instant bêtement une arène phyrexienne. Écoute. Égal au nombre de zombies. Écoute, tu feed Kodiak, mais vas-y. Hein. Écoute, je pioche pas de terrain depuis 2 tours. Je pense que c'est le dernier de mes soucis, Kodiak, tu vois. Donc voilà. Je suis gentil pour l'instant, je pose que des 1-2. Que déjà qu'on aide Robocop à gagner, alors c'est bon. Qu'est-ce que tu fais, Alfie ? Je sais pas, j'attends que tu me dises fin de tour. Ah, je t'ai dit, c'est bon, tu peux y aller. Okay. Oh, tu m'as l'emporté. Bah, je suis full table, je suis mono noir. Bah écoute. Je galère depuis 2 tours. Je crois pas que j'ai trouvé le Saint Graal. Bon, bah, je retentis Nata, qui va pas passer, ça va être contre le carré de la part de Higgs. J'ai pas de counter spell gratuit, j'ai pas de force au win, moi. Je suis pas riche. Bah, Kodiak va me la tuer. Non, bah, pour après, l'instant, il est bon. On va s'étonner de, quand tu prends un bon général de te le faire comme ça. Merci Kenshigo pour le 17ème mois. Merci à toi. Et bah, du coup, je ne fais rien. Comme tour. Très bien. À moi. Kodiak. Ah. Il est parti. Moi, j'ai eu 0 actualisation de Kodiak, donc je sais même pas à combien de trésors on en est chez lui. Bon. Ah, Alfie, Kodiak est de retour. Visuellement, il retourne. C'est moi. Donc, pour tout ça, je propose Vilis. C'est bon, du coup, sans... Kodiak, je t'ai entendu. Ouais, et puis ça lag moins hein, déjà sur l'image. Ok, Vilis. Ouais. Vilis, c'est une 8-8 vol. Pour un noir, je paye 2 points de vie. La créature ciblée gagne -1/-1 jusqu'à la fin du tour. Et à chaque fois que je perds des points de vie, je pioche au compteur. C'est 8-8 vol. Il paye un mana noir et 2 points de vie. La créature ciblée gagne -1/-1 jusqu'à la fin du tour, et à chaque fois qu'il perd des points de vie, il pioche son carte. Et là-dessus, je vais dire qu'on ça, par contre, on va peut-être avoir une réponse. Est-ce qu'on a une réponse de la part d'Alphys sur ce démon ? Attends, il y a moins de force en fouille pour essayer de contrecarrer ton truc, je vais pas voir 36 000 réactions. Puis d'abord, c'est d'abord X qui répond.
J'active la baguette pour me lever une carte. Non, j'ai pas de réaction. Bah, moi non plus, j'ai pas de réaction, bizarrement. Moi, c'est fin de tour. Ouais, bah là, il faut éviter de le faire trop. Pour l'instant, il a deux manas noires. Fin de tour. Hein. Ça va, il m'attaille protégé. Ouais, bah sauf si toi tu dis je paye pas, Ragen dit je paye pas et Nathan n'est plus protégé. Je pense que je vais payer, je t'avoue. Je vois pas pourquoi. Dégagement, entretien, pioche, je vais payer les deux. Oh, dommage. Tu vas rester là, bien sagement. Et je vais jouer un sculpteur d'Ethereum. Allez, sort l'artefact que je lance, putain de moi un lance à jouer. Okay. Et puis, attends, lui aussi des étapes. Et puis ce sera tout. Un tour. Alors, je pioche 2, je prends 1. Donc, je me rajoute 2. Je crois que tu fais un trésor. Non, un seul. Kodiak, t'en rajoutes un seul parce que X a payé. Non, oui, mais il pioche 2, Ragan. Oui, il pioche 2 cartes, c'est avec la muse. Pour 1, je fais un zombie. Quand il arrive en jeu, je vais meuler 2 cartes. Une bibliothèque, du coup. Qui sont, je l'espère, pas des terrains. Non, mais en même temps, c'est un peu triste. Il n'y a pas de terrain. Pour 1 de plus, je vais faire un Golgari Sug. Qui me permet de dredger au besoin si c'est dans le cimetière. Et moi, du coup, je ne fais pas grand chose. J'ai fini. Fin de tour ? Ouais. Tu peux dégager. De toute façon, je peux piocher et de toute façon, le trigger se met pile au moment où j'ai la carte en main. De toute façon, oui, tout à fait. Alors, du coup, j'ai dit qu'il fallait. Du coup, tu payes pas, hein? Non, je réfléchis, j'ai dit. Ah, pardon. Non, vas-y, c'est bon. Ok, je me refresh sur vidéo. Peut-être comme ça, X pourra m'entendre. Kodiak, tu as combien de cartes en main? X, t'en as combien? 2. Et Regen, t'en as combien? 3. J'ai aussi une troisième carte au-dessus de mon deck, mais elle n'est pas dans ma main. Ouais. Mais écoutez, pour 2, du coup, ouais, en effet, je joue une volonté de Jessica. Non, tu lui en mets que 2 parce qu'il faut que tu payes 2 à chaque fois pour lui mettre un marqueur. C'est chaque cible coûte 1 de plus. Non. Donc tu lui mets un marqueur, ouais. C'est ça? C'est une 4-4. C'est pas trop mal. Ok. Par contre, c'est une 4-4. Par contre, c'est 4-4, oui. Par contre, c'est pas des marqueurs moins. Oui, mais j'ai lancé le sort, du coup je peux faire les deux capacités quand même parce que c'est au moment où vous lancez le sort. Donc du coup, même si Nata meurt, du coup je fais que je vais te cibler toi avec tout ton rouge, avec tout le rouge avec les cartes que tu vas piocher du coup. Et je vais exiler 3. Ouais. Donc j'ai 13 mana rouge. Je sais pas si c'est une bonne idée. Ah putain, c'est du kingmaking là. Vas-y, Alphine. Donc j'ai 13, donc je vais j'ai 13 mana rouge et j'ai exilé 3. Donc je vais en utiliser déjà 2 pour jouer le médaillon. Attends, excusez-moi. Hop. Et excusez-moi, faut que je reprenne mon truc. Excusez-moi, volonté de voilà. Déjà, Volonté Jessica m'a coûté que 1 mana parce que j'avais aussi l'électromancien. Voilà. Donc on est dans cette situation-là. Ça, on s'en fiche pour le moment. Ça, tu as ton truc qui fait que tu as tes triggers en pile pour faire les moins 4, moins 4. Et du coup, je paye donc... Hop. Deux. Et donc du coup je fais une rétiration sur Volonté Jessica avec le coup de rappel. En réponse à ça. Donc vu que j'ai en gros Ignata est toujours en lice quoi. Donc du coup je fais une copie de Volonté Jessica et rétiration revient en main. Alors, ensuite... attends. Oui. Ignata elle est plus là si t'as résolu le sort. Non parce que je fais en réponse au quatrième trigger.
Ok. Donc oui, la première fois. Donc réitération, on revient en main. J'ai 11 mana rouge. Et j'ai exilé les 3 cartes. Ensuite, du coup, Hinata meurt. D'accord. Et avant que la volonté de Jessica fasse, en fait, du coup, je vais continuer à faire réitération, en fait, vu que maintenant, tu as plein de cartes en main. Et je le fais. Je vais avoir une réponse. Oui. Je vais avoir une réponse, par contre, au réiterate. Je vais jouer coup, un. Je paye quand même mes manas parce que je le recaste. La deuxième oui. fois. Non, mais au premier casque de réitérate. Hein. Bah, il faudrait savoir. Non, au premier casque de réitérate, je vais jouer First Garden Shield depuis donc, le 2 secondes. J'ai pas encore les 11 du coup en mana. Donc, du coup, je ne le copie pas, c'est ça. Ouais, et il va dans le cimetière. Donc, du coup, ensuite, Hinata meurt. La volonté se fasse, du coup, j'ai mes 13. Eh, heureusement que tu avais dit que tu n'avais pas de mana de contre à zéro. Hein. Bah, il était sur le dessus de mon deck et je l'ai dit quand j'avais pas encore pioché la carte au tour d'avant. D'ailleurs, il y a une attaque qui était encore sur le board donc je dois payer en plus. Ok, donc là t'étais 11 mana. Voilà, non, j'y mets 13 mana parce que maintenant Kodiak, voilà. Ok. Donc je vais pouvoir faire ça. Et bah, du coup, je vais quand même pouvoir. Je vais quand même pour. Bah, du coup, je vais payer ça et ça. Plus 2. Donc, je passe à 11. Non, je suis à 12, excusez-moi, parce que ça coûte 1 de moins, étant donné que j'ai toujours Electro Ancien. Wrath of God. Ok. Tac. Attendez, excusez-moi, il faut quand même que je paye mon mana pour avoir les deux mana blancs. Du coup, je peux pas réutiliser Hinata ce tour-ci. J'ai plein de mana, mais je peux pas la recaster parce que c'était soit la Vras, soit je recastais Hinata. Pourquoi le recon est engagé? Parce que je pouvais recaster Hinata, le recon était d'étape. Parce que j'avais 3 mana blancs. Attends. La casse volonté de Jessica a réitéré à 2. Parce que là, en gros, j'avais volonté de Jessica qui m'a coûté que 1. Ensuite, j'ai une réitéré qui m'a coûté 2. 2. De rouge. Plus 1. De 3. De 3. Le buyback il est à 3, non? Ouais. Donc t'avais deux, t'avais un blanc. Mais... D'ailleurs, est-ce que t'as perdu un point de vie sur le talisman, non? Non, le talisman, c'était au niveau de la. Oui, c'est bon, je suis à 38. Ouais. Non, 30, excusez-moi. Hop. C'est juste que du coup, il y a un truc qui va pas. C'est parce que j'ai payé 1 pour GSK, 2 pour faire Etheret et j'avais 2. Ah oui, le cachet était comme ça, d'accord. Donc j'ai engagé le regreen pour faire la brasse. Ok. Ouais. Bah, du coup, je peux pas inassier. J'ai fait la brasse. Désolé, le tour était très compliqué. Et de quoi j'ai déjà landé, forcément. J'ai dû mettre le brisant Shivan ce tour-ci. Ouais. Bah, du coup, ça s'est exilé. Et puis ça, c'est mort. Et fin de tour. Est-ce que tu peux mettre à côté de tes autres cartes l'exil? Là, t'as un cimetière et une exil qui sont un peu à droite voilà, à gauche. Oui, c'est juste que du coup, là, c'était compliqué. Je voulais m'étendre, mais ça sert à rien. Hop. Hop.
Yes. Oh, je loupe. Si tu veux le défausser. Ok, à ta fin de tour, je vais engager la baguette pour me mêler de une. Qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Ok. Dégagement. Entretien, je vais remêler une carte. Puis pioche un trigger sur la pile de ton de machin là. Je vais les payer. On va les payer. Qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Ok, y a ça. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va payer 3 et jouer un inspecteur de la fonderie. Et passer le tour. Pioche. Terrain. Pour 4, je vais jouer un languisseur à la dérive. Quand il arrive en jeu, toutes les créatures non noires gagnent moins 2, moins 2. Parce que j'ai plus de 7 cartes dans le cimetière. Oh, t'es pénible, ouais, hein. Je sais. T'es pénible, il n'y a qu'une seule créature qui part. Je sais pas, à jouer des cartes. Ton tour, tu peux y aller, Alfie. Ok. Bon, écoutez, je vais détaper, je vais piocher. Puis, ben... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Ça pique 8 mana pour une Inazara. Eh, il y croit. Il force. Ouais, j'y crois, j'y force. Bon, de toute façon, voilà. Bon tour. Mana, c'est bon. Mana, c'est bon. C'est beaucoup de mana. Vacine. Mmh. Bah écoute, à vacine. Bah écoute, moi j'ai rien à en dire. Moi j'en ai une. C'est toi. Là, toi. Ok, il se passe rien. J'en ai 5. Pas moi. 6, excusez-moi. J'en ai 6.
Non, parce que c'est quand il fait des dégâts. Je peux bloquer avec Hinata et te faire chier, attention. Mais bon, il va pas mourir. Et c'est quoi le dernier truc ? Ouais. Bon, vas-y, je prends je fais 3 moi aujourd'hui. Moi, je prends 4 aussi. Tu crées ton trésor. C'est pas comme si t'en crées déjà. Alors, dégagement. À mon entretien, je vais activer la baguette. Je vais me mêler d'un nexus du destin. Du coup, ça va mélanger mon. Ça va mélanger mon cimetière à mon deck. C'est pas juste le. Non, c'est juste le nexus à ton deck, c'est pas tout ton cimetière. Bien vu. Attends, le mec, là, déjà, il nous dit oui, j'ai pas de contre à zéro. Il a un contre à zéro, et après, il essaye de te tricher. T'es pas trop sale, Jeanne. Tu m'auras pas. C'est pas ma faute si t'es mauvais. Hein. Papy Alfie est là pour veiller au grain. Ouf, oui, c'est la seule chose que tu fais. Hop, oui. On regarde. Ça me va. Il a pas encore pioché. Bah, j'ai pas encore pioché, donc calme-toi. Tu as touché un. Et je vais payer deux. Tiens, donc t'es avec tes K4, Kodiak. Type de malin. On va voir. Je pense que payer un. Et on va jouer Serum Vision. Je vais payer deux pour la pioche. Pioche une carte plus Cry 2. Et ben on va laisser tel quel. Et puis on va lander. On va lander. Il y a 3. Et puis on va dire fin de tour. Je m'en pioche. Pour deux, je vais faire le faucheur de minuit. Qui va me faire piocher. Et perdre des PV. Dans la foulée. Et fin de tour. On va dégager, on va piocher. On va payer deux et on va passer son tour. Non. De quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Moi. Qu'est-ce que ça fait ? Parce que j'entends pas et t'as c'est caméra, ça donne un truc. C'est un rebond. J'ai rien compris. C'est une 7-7 lien de vie avec qui donne l'indestructible aux autres créatures avec le vol. Mais il s'en fout, il a déjà. Oui. Le truc il a de la redondance. C'est indestructible. J'ai compris. Voilà. Un ultime quoi? Ah, bon, bah, on a plus de permanent en terrain. Ça détruit 6 permanents en terrain, non? Ah non, tous les permanents en terrain. Pour que lui qui ne contrôle pas. Hein. Ouais. Ouais. Ah non, attends.
Tainata? Non. Nope. Ouais. Dégage. Bah, tu dois payer 3 en fait. C'est déjà fait. Ok. En 2-3. Et ben, alors, je vais regarder ça. Mais du coup, tu vas pas faire de. Tu pioches pas. Tu pioches pas parce que t'as plus de cartes que tout le monde. Ouais. T'as plus de points de vie que tout le monde. Ouais. Et. Non, Ragan a plus de points de vie que lui. Non, il a pas encore pris les cartes. Ah oui. Ah oui, c'est vrai. Non. Oui, donc en fait, il fait rien. Ah si, c'est ta citerin, toujours. Ouais. Ah oui, pas loin. Ouais, bah ouais, tu fais rien. Tu mets gaffe, quoi. Tu m'attaques avec une 4-4, c'est ça? Oui, c'est ça. Oh, c'est dur, là. Je bloque avec une 2. Ah, je crois avoir entendu que Kodak disait qu'il se disqualifie lui-même. Il a le vol, hein. Il a le vol, son truc. Vol, hein. Est-ce que tu peux te refresh du ninja, s'il te plaît, Kodak? J'ai le vol aussi. J'ai juste pas lu ma carte tout à l'heure. Voilà. Skimmer, je vais piocher une carte et prendre un point de vie. C'est une fin de tour, ok. Dégagement, entretien qui va pour pioche qui va pouvoir faire ton truc. Ok. T'as oublié ton trigger de crypt. Mais tiens, tu peux me mettre tiens, c'est Alpi qui parle. Tu peux lancer un dé. Père. Tu perds. Oui. Un petit 3. Fabricate. Chercher une artefact, je le révèle et je le mets dans la main. Ouais. Et après, je shuffle. Ça aurait été bien ça. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Il est où? Elle est où? Elle est. Elle est tout au fond du pack. Tout à fait. Elle est là. La toupie de divination du sensei. Je vais regarder. Je vais la mettre dans la main. Je prends en double quelqu'un. Toc. Oui, il y a quelqu'un, j'entends. Enfin, j'entends tout en double. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai au-dessus de ma vie? Ben. Ouais. Ouais, le problème, c'est ça. Oui, une toupie. Mm-hmm. On va payer 1 pour l'utiliser. Regardez les 3 cartes du dessus et la réarranger comme je veux. Ouais. Comment? Ouais. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'on va devoir dire fin de tour. Pendant le chat. Hop. Trop. Pour 4, croupissement, moins 4 à toutes les créatures. Mmh. Alfie, réponse. Attends, je regarde juste un truc. Bah juste que Kodiak n'a pas gagné ses 3 points de vie. Kodiak, réponse. Moins 4 à toutes les créatures. Non, j'en ai pas. Non, j'en ai pas.
plus de réalité. D'être. Je vais prendre un point de vie et piocher une carte de plus. Et donc Kodiak, t'es à 33, pas à 36. Parce qu'en... Comment ça fait ? Non, il était à... Bah, était c'est au-dessus de... Oui, c'est quoi ? Non, c'est avant que tu... Avant... C'est avant que tu touches. C'est quand il inflige des blessures de combat. Ah oui, c'est quand il inflige des blessures de combat. Oui, pardon. Voilà. Oui, et Ragan avait plus de points de vie, mais il t'a bloqué. Donc, c'est ça. Ça revenait aussi aux mêmes choses. Feras-tu autre chose, du coup, Ragan ? Je suis pas l'impression. Bon, je pense... Non, c'est bon, c'est fini. Okay. Je vais dégager. Tu peux y aller. Je vais payer deux parce que voilà, j'ai rien d'autre à faire. Bon. Donc ça servait à grande chose, mais bon, on va ralentir. Propagande. Ok. À toi. Je te tape. Avec mes weapons en nana, je pioche. Alors. On va le faire comme ça parce que ça, ça fait. Pour deux, je vais faire un cachet de Rakdos. Parce que je n'avais pas assez de land. Enfin, je n'avais pas assez de mana. Ensuite, je vais déclarer une phase d'attaque. Donc, Ragen, je t'attaque avec Avacyn. Et Higgs, je t'attaque avec Sephara. Qui est une 7-7 7-7 vol de lien de vie, ouais. 22. 25. 40. Ta fin de tour, je vais me meuler d'une carte. Je vais activer la toupie pour voir les trois prochaines. Youpi, comme ça. Dégagement, entretien, j'ai le truc de la, j'ai la crypte. Tiens, Alfie, tu peux regarder, tu peux le faire s'il te plaît. Pareil, ouais. Père, je perds. Hop, oublié, c'est un 10. Mais... C'est donc je perds. Toujours en entretien, je vais payer 1. Regardez les 3 cartes du dessus. Là, tu es déjà fait. Meuler, repayer 1 pour re-regarder. Putain, c'est sérieux. Et on va mettre comme ça et on va piocher. Et je vais payer les 2 pour pas que tu mettes de trésor. Ensuite, on va... Lander, payer 4 et jouer la pucus. Et puis, fin de tour. Hop, pioche. Je fais un simulacre, je vais chercher un terrain de base que je m'ai engagé. Fin de tour. Yes. Ok. Engagement. C'est beau, tu as des terrains. Ouais, 16 tours après. Ça a tellement duré que tu as des terrains. À toi, Kodiak. Ok, étape. Josh. Hop. T'avais payé pour piocher, oui. Je vais lander. Bah, je vais déclarer une phase d'attaque. Donc, il va y avoir Avacyn chez Ragen et Sephara chez Alfie. Et je paye 2. Je vais prendre... 17. Fin de tour. Ta fin de tour, on va activer la toupie. Ah. C'est nul. C'est nul, c'est nul, c'est nul. Tac. Non, attends. Comme ça. C'est mieux. Dégagement. Entretien. Je vais activer ça, meuler une carte. Réactiver ça, regarder la toupie. Putain. Trouve-moi quelque chose de mieux. Et tu perds 3. En plus, je me suis tout seul. Et du coup, pioche, je vais payer le 2. Payer 1. Codex Shredder, je peux l'engager pour que le joueur cible et meule d'une carte. Mm-hmm. Yes. Je vais l'activer. Meule d'une carte.
la toupie en regardant. 5 comme ça. Je vais activer ça. Non. Non, je veux dire pas trop. Ok. Pour 2, je fais un assistant. C'est une 3-1 qui va me faire meuler 3 cartes quand ça arrive en jeu. Hop, Undead, Corbeau, Terrain. Hop, voilà. Pour 2, je fais une Gorging Vulture. Je meule 4 cartes et je vais gagner 1 point de vie pour chaque créature que j'ai mis dans le cimetière de cette manière. Un asile, un fossoyeur, un lion et un calice. Je vais gagner 2 points de vie. Incroyable. On remonte. Attendez, je réfléchis, excusez-moi. Est-ce que j'ai quelque chose d'intéressant à faire? Non, ça va être une fin de tour, pardon. À toi, Alphine. Okay. Étape draw et je paye 2. Je vais payer 3 pour faire un recruteur de la garde. Je vais chercher une carte de créature avec une force, enfin une endurance de 2 ou moins, et je vais la mettre dans ma main et je vais mélanger ma bibliothèque. Pour 3, je vais jouer une cape de frémissoi. Pour 2, je vais équiper la cape sur Avacine. Je vais déclarer une phase d'attaque. Ouais. Avacine sur Ragan, Sephara sur Ix. C'est à 9. Je passe à 11. Bon. À ta fin de tour, activons la toupie. Ouais, attends, on peut mettre comme ça. Engagement. Entretien. Alphie, peux-tu me faire le père-père? Ouais. 2. Oh putain, je demande une analyse de ce dé. Piocher. Et vas-y, tu vas pouvoir me prendre un trésor. Ok. Ok. La Talia la plus inutile du monde, quoi. C'est ça. La Talia est même pas sortie. Là. Emery, Getsus du Lock. Qui coûte un moins pour un, qui coûte un moins à lancer pour chaque artefact que je contrôle. Je crois que j'en ai bien assez. Ouais. Quand la solution matin, je me le 4. 4 et quand elle arrive, et je peux l'engager, choisir une carte d'artefact de mon cimetière, je peux lancer cette carte tour-ci. On va payer 3, attacher la puce à Imri en réponse. Oui,
Je vais faire un Pass to Exile sur Emery. Je vais avoir une réponse du coup. Je vais payer 2. Mm-hmm. Ah non, voilà. J'attends. En réponse. Je vais activer la toupie pour piocher une carte. Tu vas faire un trésor. Je vais piocher celle-là. Je pose la toupie sur le dessus. Je vais payer 2. Toujours en réponse. Mm-hmm. Dig through time. Bon, 2. Hein, mais... mm-hmm. Et je vais delve 6 cartes. Voilà. Que des terrains. Ouais, c'est ça. Voilà. Oh. Bah t'as vu tout ce que j'ai voulu. Et du coup je regarde le top 7 et j'en mets une dans ma main, le reste en dessous. Ah oui, c'est que des terres, d'accord. 4. J'ai cru que c'était des terres que t'avais révélé en fait. Non, c'est tout ce qu'il a meulé. Ok. 7. Je vais mettre ces deux là dans ma main. Le reste en dessous. Ensuite, toujours sur la pile. Je vais regarder sur le dessus de mon deck. Non. Je vais cliquer sur le dessus. Pas ça. Ok. Et ben. Ok. On va pour exiler Emery. Et du coup, tu peux aller chercher un land de base et le mettre en jeu. En jeu. Je. Attends, je regarde juste. Je vais pas le faire. Okay. Vu que t'as ta toupie au-dessus, c'est ça? Non, elle est dans ma main. Non, c'est juste que la carte qu'il a sur le dessus l'intéresse beaucoup. Ouais. Option, je sais laquelle c'est, je vais la piocher. Ouais. C'est là que c'est maintenant que t'arrives, toi. Mettons une toupie. Et puis, je suis mort, ça. Yes, we more. Il faut juste que Ragen ait un mana. Ouais. Ah non, même pas, il va ramener ses démons. Alors, faut savoir ce que vous voulez. Bah, en fait, si tu veux, moi j'étais en mode un mana, tu peux, du coup, tu peux jouer à Baltor et l'activer, qui fait qu'il n'y a plus Sephara ni machin, mais vu qu'il a des créatures noires qu'il a mis au cimetière, bah, elles vont être animées. Donc. C'est quoi les créatures que tu as, Kodiak noir? Des grosses. Bah, il a son démon qui pour il paye un. Alors j'ai Lisa en archange, l'archange oublié, donc c'est une 4-5 vol lien de vie. J'ai Vilis, le courtier de sang, une 8-8 vol qui peut faire des -1/-1 et qui me fait piocher comme un salaud. Mmh. Et j'ai le démon scarifié de runes qui fait que je vais tutor. Tutor, ok. C'est une fin de tour X ? Ouais. Ouais, je crois bien. Oui, je vais prendre un tour. Attends, juste maintenant. J'y vais ? Vas-y. Okay. Je lente. Oh. Attendez, je réfléchis du coup. Et pendant ce temps, moi j'ai la punaise de la réalité qui est en train de voler dans ma chambre, c'est génial. Ouais, on la voyait. Alors, comment est-ce que le cerveau peut tourner? On va voir. Histoire de. Du mana. Pour alors, je fais réanimate. Ah. Voilà, oui. C'est intéressant. Je vais réanimer. Où est-ce qu'il est? Le truc qui fait est-ce que vous avez des contres en fait ou est-ce que je pars dans mon truc? Faut que je vous demande à chaque fois. J'ai pas de contre, mais en fonction, je vais peut-être avoir une réponse en fonction de ce qui revient. L'apprenti. Ok, j'en reviens. Mais c'est lui qui te sacrifie et tu fais 3 mana, c'est ça? C'est ça. Je prends 3. Tu perds 3. Je suis à 8. C'est là. Pour 3, je vais faire un Baltor. Mmh. Bah, ouais. Ouais, ok.
Je vais tenter de défausser une carte pour ajouter 3 noirs. Je défausse un truc qui sacrifie Reanimate. Je vais utiliser les 3 noirs pour Baltor. Ok. Ok. Du coup, tout le monde va ramener les créatures rouges et noires. Et là, c'est la merde. Comment ? Et on sacrifie le reste, c'est ça ? Non, tu sacrifies pas. Ça ramène juste. Pas. Non, non. Ça ramène juste. Je vais avoir des effets d'arrivée en jeu. J'ai 2 effets d'arrivée en jeu. En premier. Et du coup, c'est Ragan qui va les faire en premier. Non, c'est sur la pile, c'est Kodiak. Alors, les miens, ils ont produit sur la pile, puis après, ils assurent Kodiak par-dessus, donc c'est Kodiak. Donc, je vais avoir l'effet de l'extorqueur, donc je vais avoir. Dites-moi combien de trésors en plus. Moi, j'en ai 3. J'en ai une. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 chez moi. Donc 2 plus 3, 5 plus 6, 11. Donc je suis à 17 trésors. Ouf, ouf. Et je vais chercher dans ma bibliothèque une carte. C'est ouais. C'est ouais. Je sais pas si c'était maintenant qu'il fallait le faire. Bah après, sinon, de toute façon, je survivais pas. Donc. Bah là, tu survis pas non plus en fait. Parce qu'il va attaquer avec ton. Bah déjà, il va attaquer pendant son tour. Donc on va voir. Ben ouais, mais. Okay. Mais de toute façon, je faisais rien d'autre. Donc. Mais oui, mais tu le faisais pendant ton tour, il avait que 2 créatures qu'il pouvait attaquer. Et là, il en a juste une chier plus 15 qui sont indestructibles. Ouais, tant pis. Ouais, là, tu lui donnes la game, je crois. Hein. Bah, il avait déjà la game. Il avait la game. Ouais, là, je l'avais déjà depuis un moment. Tu veux, dès le tour 2, il a la game. Si tu veux qu'on ressorte tout à partir du moment où il nous fait full mana et qu'il y en a un qui est en death et qui est obligé de lui payer les trésors, je pense que ouais, il a la game. Oui, voilà. J'avais un moment où, entre guillemets, je pouvais gagner, mais on m'avait contré. En fait, tu le ramenais au bon moment où on avait quand même un tour à gagner. Et un tour, c'est une carte chèque. Mais attends, j'ai pas fait mes effets, moi. Oui, ça se trouve, il va se passer des choses, non ? Après, il va tutor, il va... J'en sais rien, tu vois. Mais... Je suis allé tutor, c'est bon. C'est bon ? T'as fait tous tes effets ? Oui. Ok, alors, je vais les faire un par un, et puis on va voir. Je vais faire la Gorging Vulture, donc je meule de 4 et je gagne un PV. Alors, par contre, si une créature qui a un adversaire contrôle devait mourir, exilez-la, c'est un effet permanent qui arrive maintenant, avec Lisa. Ok, et là, ça meurt pas pour l'instant, ça va juste dans le s'émeuler. Oui, non, mais je te préviens, vu que je sais qu'il y a des trucs qui risquent de mourir. C'est dans le cimetière. L'assistant. Non, attends, je suis en train de faire des trucs qui sont pas là, en fait. Excusez-moi. Hop, je suis parti loin. Mais ça revient au même. J'ai le corbeau, en fait, qui va mettre 2 cartes. C'est juste que je vais pas gagner de PV. J'ai la goule. Pareil. 2 cartes. Donc comme ça revient à 4. Hop. Yarok, vous allez tous défausser, exiler une carte de votre main, s'il vous plaît. J'exile l'attaque furtive. Ouais. On va... tous sacrifier une créature. Je vais sacrifier... Donc là, tu m'as dit c'est exilé. Hein. Ouais. Je vais sacrifier le golem. Non, ça va pas marcher. Bon, c'est pas grave. Ça sert à rien, de toute façon, le golem. Je vais sacrifier, c'est exilé. Je vais prendre un point de vie. Non, attends, ça va quoi, ça? C'est meurt. Donc ça passe par le cimetière. Tu m'as dit instead, donc ça passe pas. Tac, 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 tac. On en est où? Donc tout le monde a sacrifié une créature et exilé une carte. Oui. Je vais détruire le gobelin, parce que de toute façon, il n'y a que ça que je peux détruire, vu que c'est non noir, non artefact, que tout est... Et ça détruit pas, parce que du coup... mon gobelin, c'est ça ? Ouais, ton gobelin. Oui. J'ai pas le choix. Moins 2 sur toutes les non noirs. Okay. Il ne sert à rien, il n'y a plus rien. Je vais mettre une carte de créature de mon cimetière en jeu. De ma bibliothèque en jeu. Une carte dans... Non, en cimetière, pardon. Je vais y arriver. Non, une carte n'importe laquelle dans le cimetière. Ok. Hop, on va aller vite. On va essayer de la chercher. Elle était pas là, donc on était pas prêt de la voir. Je vais mettre un. Deux heures pour finir sur le même. Marchand gris d'Asphodel. Je pense pas que tu auras les 54 points de vie de Kodiak, mais bon. Bah écoute, on va essayer de faire la course. Hein. Donc ça va dans le cimetière. J'ai le trigger de la CDC qui se met en route. Je vais sacrifier une créature pour aller tutoriser une carte. Je vais sacrifier Maraudeur. Sacrifier Maraudeur.
Il est exilé. Hein, du coup. Exilé. Je vais tutor. Une réanimation. Une réanimation, et je vais essayer de la jouer pour un noir. Est-ce qu'il y a des réponses? Non. Bah non, j'ai exilé mon contrat. Je sais plus où est la réanimate. C'est-à-dire que tout à l'heure, on devait pas... Parce que t'as dit qu'on devait sacrifier, on devait défausser d'une carte, alors que là, t'as dit... Exiler une carte. Vous exilez. Attends, tu vas chercher Animate Dead et je vais jouer. Non, mais contre pas. Rien maintenant, de toute façon. Bon, oui. Bon. C'est là. Qui... En fait, c'est qui j'ai envie de voir gagner. Ouais, voilà. Bon, ouais, après, bah, tout et c'est quoi tu gagnes beaucoup trop, donc je vais le laisser. J'ai pas compris, X. Je vais quoi dire qu'il gagne beaucoup trop, alors je vais te laisser faire, Ragen. Okay, c'est gentil. Donc pour un, hop, Animated Dead sur Gary. Mm-hmm. Dévotion. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Je perds 22 points de vie. Je suis donc à 32. Du coup, c'est gagner autant perdu que ceux perdus de cette manière. Donc, Alfie, t'étais à 10, c'est ça? Je suis à 12. T'étais à 12. Du coup, je gagne... Bah non, vu que j'en perds aussi autant de points de vie. Je suis vous perdez 22 12, ok. Oui, donc, voilà. Je gagne 66. Donc, je suis à... 66, ça fait 74. Et hop là. Et c'est une fin de tour. Tu peux y aller, Kodia. Yes, je détaille. J'ai eu le chat pour tout ça. C'était très long. Je vais piocher. Mais tu gagnes beaucoup plus de tours que 1. Pardon. Alors, je vais utiliser. Tu gagnes beaucoup plus qu'un tour là. Oui. Mais bon, après, si t'avais. Je pense qu'il a juste à. Il a juste à aller. Je vais utiliser 14 de mes trésors. Ouais, j'ai plus de. J'ai plus de mana, j'ai plus rien. Enfin, j'ai plus de. Donc, il me reste 3 trésors. Je vais jouer Gisela et Dragon du Bûcher. Attends, un dragon, je crois que ça fait des choses. Et Gisela. Dragon, c'est quand il touche. Quand il touche, je fais autant à toutes les créatures. Ah ouais, j'ai la sellette. Et Gisela, je double tous les dégâts que je te cause. Et toi, tu dis. Les dégâts qui me sont causés sont divisés par 2. Ok, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ouais, voilà, ouais, sauf que le marchand, c'est des pertes de points de vie, c'est pas tes dégâts. Ouais, mais il faudrait qu'il réanime en boucle. Ensuite, ouais, il peut pas, étant donné qu'il y a les A. Donc j'ai un moteur à sac aussi. Ensuite, pour 3, faut qu'il y ait plus je vais aussi. Détruire, comme ça il est exilé et on n'en parle plus. Ah d'ailleurs, j'ai récupéré l'extorqueur des quais à la fin. C'est celle-là. Ouais, tu détruis le marchand et du coup avec les A, du coup il est exilé ton marchand. Tu détruis les A comment? Tu détruis le marchand comment? Avec Vindicate. Là, je crois qu'on peut la gagner, on peut le laisser celle-là, non? Bon, de toute façon, j'ai pas de main, j'ai pas d'autre mana, donc suivant ce que je pioche. Et du coup, là, je vais déclarer une phase d'attaque. Donc, j'attaque avec Avacine, Sephora, ouais. Lisa et les deux démons. Donc, je t'attaque pour 16 et 12, 28, 28 et 8, 36, 36 et 14, 50, 50 et 16, 66. Un tour. J'ai du volant. J'ai du volant, mais comme ça va être exilé, c'est pas très intéressant. 56. Ça fait 18. 66. 66. 8, 16 et 12, 38. Non, 28. 28 et 8, 36. 36 et 14, ça fait 50. 50 et 16, 66. Ok, je suis à 8. C'est ce que j'ai gagné, en fait, en gros, quoi. Et du coup, moi, je vais gagner 8 et 14. Je vais gagner, donc, 22 points de vie. Je retourne à 54. Ouais. À moi ? Yes. Et c'est un cachet. Bravo, Kodiak. Bravo, ouais, bravo à toi. Bravo. Bravo. Hop.
Eh bien, bien joué. Ouais, bien joué, toi. Bon, la fin était laborieuse. Je ne sais pas si vous auriez... De toute façon. Alfie, Wix, vous auriez pu... X, peut-être pas, vu que tu étais après Kodiak. Bah, en fait, moi, il y a un moment où j'avais, avec le coup de Jessica Will, où du coup, je pouvais gagner, mais du coup, ça a été contré. Bah oui, je vais pas te gagner. Bah oui, sinon, c'était gagné. C'était ça, voilà, c'est tout. Ça paraît logique. Après, tu vois, j'avais le truc, c'était hyper long parce que, en gros, j'avais Priest of Urabras qui me permettait de, quand il ajoute 3 rouges. Là, j'ai cherché l'autre carte qui fait que quand il arrive, tu ramènes une créature un éphémère ou un rituel de ton cimetière dans ta main. Et en fait, il manquait Twin Flame pour du coup que je peux kicker pour faire des copies et en fait pouvoir faire ça en boucle et avoir des célérités infinies. Sauf qu'il fallait que j'ai aussi Nata. Et donc, ça veut dire qu'il fallait que j'ai 10 mana. Donc, il fallait d'abord que je pioche un mana pour pouvoir 10 mana jouer Nata. Et ensuite que je pioche Twin Flame pour pouvoir faire la copie. Mais tu l'as pas eu. Bah non, c'est surtout que j'ai pas eu le temps, tu vois. Higgs, du coup. Bah écoute, non, j'avais moyen de finir la game plusieurs fois, mais beaucoup de removals bien placés, ça m'a ralenti suffisamment. Parce que le problème, c'est que tant que la puce est pas équipée sur quelque chose, mon deck il a un peu de mal. Ouais. Donc j'ai passé beaucoup de tours à essayer de trouver une créature sur laquelle la coller. Mais sinon, écoute, le deck creuse comme il faut. Hein. Il a fait son travail. La baguette, c'était cool. C'est juste que... c'est quand même vachement. En fait, je me suis pas mal inspiré de ceux qui connaissent Modern, Lanterne Control. Ouais, je voyais ça. Ouais. Et du coup, je me suis dit, en fait, c'est comme ça qu'il faut le jouer. C'est juste utiliser la capacité de la puce avec des meuleurs pour filtrer son deck et avoir juste la carte que tu as besoin sur le dessus. Et c'est vachement agréable de jouer, du coup. Enfin, t'as juste à avoir un truc qui régule les coups de 1 et tu pioches ton deck, quoi. C'est ça. Mais le deck est agréable à jouer. Je veux dire, c'est la mécanique qui est sympa à jouer, mais le deck est un peu trop linéaire. Ouais. Tu fais tout le temps la même chose, tu cherches tout le temps la même chose. Donc, c'est un deck qui est un peu sur la sellette chez moi. Je sais pas si je vais le garder. Mais je voulais l'essayer un peu... histoire de voir si je le garde. Ok. Écoute, moi pour ma part, j'ai eu un départ assez très très compliqué. Et de lente, ouais, c'est bien. De terrain en main de départ avec un caillou et heureusement qu'il y avait le médaillon. Mais c'était très compliqué. J'ai rien vu venir derrière. T'es obligé de faire un peu des. Puis je fais la muse en me disant j'espère qu'elle va tenir. Bon, elle a tenu un tour. Et puis c'était tout, et je me suis dit mince, si j'ai pas de terrain, ça va être compliqué. Puis je tape un tap land, donc c'est bof. J'ai réussi quand même à aller jusqu'au bout du truc, mais avec Kodiak qui gagnait trop de PV, ça suffisait pas. Et en plus de aucune carte qui exile, donc du coup, je peux pas empêcher les cartes qui reviennent. Parce que j'étais en mode est-ce que je réanime sur CDC pour aller commencer à aller chercher quelque chose. Sauf que là, je commençais plus trop à voir qu'est-ce que je pouvais aller ramener qui serve. Donc, du coup, j'étais un peu bloqué. Je n'avais pas des masses de solutions de toute façon. Le fait que tes créatures soient indestructibles, ça payait trop, quoi. C'est ça qui était un peu difficile. Là, j'avais que des sacrificateurs. Donc. C'est bien. Ouais. J'en avais qu'un. J'en avais qu'un dans le cimetière, donc... Début de partie, prendre double truc sur Inata, c'est vrai que ça fait mal, tu vois. Ouais. J'avais une solution, C'est normal, c'est normal. De quoi ? Faut le ralentir, Inata. Ouais, c'est trop dur. C'est pour ça que j'ai lancé. J'avais une solution, c'était l'ange noir qui prévient les blessures et qui meule du double. Donc ça pouvait potentiellement me faire quelque chose. J'étais pas l'abri d'un anti-bête. Ça, attends, ouais, il l'avait l'anti-bête
Ouais, j'avais encore sur Gary, un... Bah oui, t'as fait la Vindicate. En même temps, il a pioché 13 cartes. Ça change rien. Il a pu prendre toutes les cartes qu'il voulait et enlever celles qui ne l'intéressaient pas. Oh, puis, façon, non, mais même de toute façon, il avait vidé sur le board. Il avait 50 000 ouais, trésors. Ouais, c'est ça, les trésors. Il n'y avait aucun moyen... Il n'y avait juste aucun moyen qu'on y arrive. Non, je joue pas No Mercy. Pour le coup, ça aurait rien changé là, vu qu'ils étaient indestructibles. Je joue pas No Mercy. Peut-être voir pour les pour le jouer, peut-être le rentrer la prochaine fois. Ça peut être intéressant de le tester, ouais. La carte est un peu chère. Mais à jouer. Mais on peut-être que ça peut être cool, ouais. Je la fais afficher, tiens, je pense. Hop. Le nom merci qui détruit des créatures quand on nous touche. C'est ça. Pour le coup, ça m'aurait non, ça aurait rien changé vu que toutes les créatures avaient rien destructible. Bon voilà, en tout cas c'est ça. Et du coup, Kodiak avec ton départ fumé. Bah c'est ça. Là j'ai fait un gros départ rampe. Tellement que j'ai même pas eu à sortir Kalia en fait. Au début je voulais retarder le plus possible l'arrivée de Kalia, me dire bon bah que vous commenciez à vous taper entre vous et que vous m'oubliez en fait. Ce qui commençait à bien se faire vu qu'Inata sortait plusieurs fois et qu'elle devait se faire gérer. Et en fait bah j'avais tellement de mana, je générais tellement de mana que je pouvais direct sortir mes gros tons tout seul, donc bah voilà, à partir de là. Une fois que Vilis avait touché et qu'il m'avait fait piocher 8 cartes dans le tour, c'était fini. Ouais. C'était déjà quasiment fini. Ouais. Et puis voilà. Non, en tout cas, voilà. Je suis content. Kalia a prouvé de quoi elle était capable. On n'a pas trop Kalia, du coup. Bah, ouais, pas trop Kalia, mais tous ces potes derrière. Kalia n'a rien prouvé, hein. Le Dockside. Ouais, c'est tous les potes derrière, tu sais, les bras croisés qui sont. Ouais, c'est ouais. Ça. Le Dockside et la Smooth Ring ont montré ce qu'ils savaient faire, ouais, voilà, exactement. C'était le level 8 de ce soir, en tout cas, qui se finit dans la douleur. Merci en tout cas de l'avoir regardé, replay lundi, voilà. Et sinon, on se retrouvera semaine prochaine pour un nouveau match, avec des nouveaux commandants, évidemment. Passez une très bonne soirée, et à très bientôt chez les Cornelius Commander. Bye bye à tous. Salut. Salut.